Soupçonnable. Tenez, Ali Akbar Onanga Yubige, l'ancien puissant ministre d'Ali Bongo, et dans la dèche noire, fauché, il a décidé de vendre ses véhicules pour pouvoir apercevoir le bout du tunnel. Ali Akbar Onanga avait un impressionnant parc automobile. La valeur à l'unité, c'était 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA, c'était le prix d'un seul véhicule qu'on trouvait au parc automobile d'Ali Akbar Onanga. Mais le vent a soufflé et renversé tous ces espoirs de Zance. C'est ainsi que Ali Akbar Onanga a donc décidé de vendre ses véhicules. Vous avez vu ces véhicules qui sont déjà en arrière-plan, vous avez vu donc ces parcs impressionnants. Voilà, la Lexus qui est au milieu a déjà été vendue. Donc celle que vous voyez là est déjà partie pratiquement. Elle a été vendue.
Le prix à l'unité, c'est au moins 100 millions de francs CFA. Le prix à l'unité, donc un seul véhicule qu'on trouve au parc automobile d'Ali Akbar Onanga, c'était 100 millions de francs CFA. Donc, il est contraint de brader parce que son salaire de député est dérisoire, n'arrive pas à lui permettre de joindre le debout. Donc, Alexus est déjà parti et en ce moment, il cherche à vendre la Mercedes que vous voyez ici. Et une Mercedes, voilà, elle est là. Donc, vous voyez tout ça, ça s'est proposé à la vente. Les temps sont durs, même pour lui, c'est inimaginable parce que Ali Akbar Onanga était quand même quelqu'un de très puissant, mais il est tombé en disgrâce lorsqu'il s'est mis sur le chemin, il s'est mis de travers sur le chemin de Brice Lacouche Alianga, alors directeur des cabinets d'Ali Bongo, messager intime du Ditengu camarade Ali Bongo. Et Brice Lacouche Alianga l'avait donc balayé, l'avait fait virer même du Parti démocratique gabonais, l'obligeant même à aller se mettre à genoux devant lui pour lui demander donc pardon pour ne pas aller séjourner à la prison centrale de Libreville. Il ne s'était pas arrêté là, Brice Lacouche Alianga. Il avait fait bloquer tous les comptes bancaires de Ali Akbar Onanga. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans la dèche noire. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Ali Akbar Onanga a vu sa deuxième femme, Liliane Ngari, le plaquer. Et elle ferait aujourd'hui le bonheur d'un de ses rivaux, en l'occurrence le ministre Sosthène Ossungu, d'après nos informations. Et c'est pour éviter de s'enfoncer dans les abysses qu'Ali Akbar Onanga a décidé donc de vendre ses véhicules, parce qu'il sait que la dèche noire a contraint sa deuxième femme à le plaquer pour aller chercher son salut ailleurs. Il vend donc ses véhicules. Si vous êtes preneur, si vous êtes intéressé, c'est à vous donc de le contacter sur sa page Facebook ou alors de le contacter par son numéro de téléphone. Hein. Vous pouvez, il m'a pas donné l'occasion de vous communiquer ce numéro, hein, mais vous pouvez le joindre à son numéro pour demander le prix du véhicule si vous êtes intéressé justement par donc ce véhicule. Donc ce numéro de téléphone, vous allez imaginer la suite, demander Martel, hein, c'est 00241 74 18 75 et puis quelque chose comme ça. Donc à vous de vous débrouiller si vous voulez acheter ce véhicule d'Ali Akbar Onanga, mais sauf que je vous rassure que un seul véhicule ne coûte pas moins de 100 millions de francs CFA et c'est ce qu'on a donc mis en vente pour essayer donc de permettre à Ali Akbar Onanga de joindre le debout. Pendant ce temps aussi, il a vendu son terrain qui se trouvait à Akanda, au nord de Libreville, dans la commune, la prestigieuse commune d'Akanda. Il a vendu dernièrement son terrain. Tout ça, c'est pour essayer de joindre les deux bouts inimaginables, de voir quelqu'un qui était sûr de lui, qui était aussi parmi les personnes les plus fricquées de la République, se trouve aujourd'hui donc dans la dèche noire. On ne comprend pas que fait Ali Bongo. On sait qu'Ali Akbar Onanga, c'est l'un de ses soutiens. On l'a même vu se présenter aux élections législatives avec comme photo d'Ali Bongo en arrière-plan, comme si Ali Bongo était son suppléant. Voilà quelqu'un qui a toujours magnifié le régime d'Ali Bongo et le despote lui-même, mais qui est oublié. Et aujourd'hui, il est donc obligé de vendre ses véhicules. Il est obligé aussi de s'acoquiner à un certain Ismaël Osseni Ossa, l'actuel imam de Libreville. Donc, il est obligé donc d'être avec Ismaël Osseni, qui devient son scribe. Vous l'avez vu dernièrement, celui qui est passé à la télévision pour le défendre. Tout ça, c'est avec l'espoir justement de bénéficier de sa magnificence. Et là, les choses ne semblent pas tourner dans le sens souhaité pour Ali Akbar Onanga. Il est obligé de vendre donc ses biens, ses véhicules, et peut-être qu'il procédera à la vente de la deuxième villa huppée, ou enfin le château, parce qu'il avait conçu deux châteaux à Ngondje, au nord de Libreville. Château qu'il avait construit au bénéfice de ses deux femmes, sa première femme Rima et la deuxième Liliane Ngari, qui, devant la galère de son mari, a été donc obligé de prendre une autre route pour ne pas subir justement la fosse. Et là, peut-être qu'avec cet argent,
Si elle apprend qu'Ali Akbar Onanga a fait quelques économies en vendant ses véhicules, peut-être pourra-t-elle revenir en courant au foyer parce que, naturellement, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou qui est Niaka. L'information continue sur Facebook et YouTube. Thank you.
Oh.